Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyansuban. De ce service de se tous abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Et en cliquant sur ce bon, vous aurez aussi accès à notre page d'accueil où vous allez voir nos trois autres chaînes. Abonnez-vous sur nos trois autres chaînes et activez la cloche là-bas, c'est très important. Alors que nous venons de traverser des temps difficiles chez nous, voici que une nouvelle terrible ou un ouragan hors du commun va frapper les Bahamas. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mes frères et sœurs, nous devons prier pour toute personne en difficulté. Et là, c'est toute une région qui est touchée par cette catastrophe. Venez, venez, suivez-nous. Allons au studio, nous allons tout voir. Déjà, avant d'aller au studio, nous allons vous dire que si vous avez peur des choses pareilles, ne regardez pas cette vidéo jusqu'à la fin. Regardez la vidéo suivante maintenant. Si vous avez un problème de cœur, regardez la vidéo suivante. Parce que ce que nous allons voir ici, c'est pas pour les enfants, c'est pas du jeu. Ok, là nous sommes d'accord. Allons voir. Mes frères et sœurs, que Dieu nous donne longue vie, la santé, mais qu'il veille à ce que tout aille bien et pour le mieux chez nous. Regardez ça. Comme vous le voyez, ce n'est pas de la base, ce n'est pas de la prima. Là, ce sont les Bahamas, en Floride. Comme vous le voyez, là, c'est ici. On se trouve là, ici, tout à la normale. Mais, bizarrement, depuis le 1er septembre, le dimanche 1er septembre, il me semble que des problèmes ont frappé cet endroit-là. Incroyable, mais vrai. Ah! Qu'est-ce qui se passe-t-il réellement? Nous allons lire et avoir les informations là, maintenant et tout de suite. Vous serez même surpris. C'est tellement terrible que ça a même touché tout le monde. Ce qui m'a même marqué, c'est une femme qui tentait de pleurer, qui demandait à ce qu'on prie, on prie, on prie, on prie pour eux. Franchement, c'est un message touchant que j'aimerais passer avec vous. Mes frères et sœurs, prions, 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 prions. Regardez ça. Déjà ici, on nous dit, Dorian, un ouragan de catégorie 5 a touché les Bahamas dimanche 1er septembre avec des vents moyens atteignant les 298 km/h. Quoi? Vous entendez ça? Mais c'est incroyable. Mais regardez bien. Il se dirige vers la Floride, aux États-Unis, et devrait passer à proximité entre lundi et mardi. Alors là, il faut se lever vraiment dans la prière, parce que seule la prière peut empêcher de telles catastrophes. Mes frères et sœurs, commençons à prier, qu'on demande à Dieu de venir en aide à toutes les personnes qui sont touchées par ça, puisqu'on nous dit que ça va même aller jusqu'à du lundi jusqu'au mardi. Ah, personne ne sait ce qui peut arriver. Mes frères et sœurs, c'est incroyable. On nous dit ici, il est devenu l'ouragan le plus violent jamais enregistré dans le nord-ouest des Bahamas. Mon Dieu. La tempête Dorian, un ouragan de catégorie 5, son intensité maximale a touché les Bahamas dimanche 1er septembre. Wow! Le Centre national des ouragans américains, NHC, a annoncé dimanche qu'il provoquait des conditions catastrophiques dans cet archipel des Caraïbes. Les derniers révélés du NHC font état de vents moyens de 298 km/h. Dorian devient l'ouragan le plus violent de l'histoire moderne dans le nord-ouest des Bahamas. Conditions catastrophiques dans les îles Abacos, wow, qui font partie de l'archipel de Bahamas, a écrit le NHC dans son dernier bulletin, en appelant les habitants à chercher immédiatement un refuge.
de tels problèmes, mes frères et sœurs, crier Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, viens m'aider, que le Seigneur Jésus-Christ vienne t'aider. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, va les aider, viens à notre secours. Tout ce qui est dit de frapper le monde sont des choses catastrophiques, de haut niveau, catastrophiques de haut niveau. On n'a jamais vu ça. C'est bizarre. Tout est bizarre, les choses bizarres sont de frapper le monde. Nous devons nous réveiller et commencer à prier, chercher Dieu, on ne sait jamais. Or, tout était calme, hein? Tout était calme, comme vous le voyez. Tout était calme. Comme si de rien n'était. Les gens vivaient tranquillement. Quand ceci est arrivé. Regardez ça. Regardez ça. Mes frères et sœurs, vous voyez que ce n'est pas de la blague, c'est bien réel. Ce qui s'est passé là-bas, ça peut vous arriver. Si Dieu vous donne la vie, la force, priez. Prions tous ensemble pour toutes les personnes qui sont en danger, qui courent au secours, qui crient à l'aide, qui ont besoin de refuge. Ne dormez pas cette nuit sans avoir prié pour toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui sont ici. Regardez ce qui s'est passé. Mes frères et sœurs, c'est grave. C'est même plus grave que grave. C'est pas de la blague, c'est bien réel. Regardez ça. Mon Dieu. Comme vous le voyez, c'est pas de la frime. Et pour être plus clair, nous allons vous montrer ce qui s'est réellement passé. Regardez ça. Comme vous le voyez, c'est le résultat. Le résultat. Regardez. Est-ce que vous avez entendu ça? Une femme qui a décidé de crier « Please pray for us, pray for us » en français, ça veut dire « S'il vous plaît, priez pour nous, s'il vous plaît, priez pour nous, s'il vous plaît, priez pour nous. » Écoutez bien ça, écoutez bien, elle nous appelle, elle appelle au secours, elle appelle au secours, écoutez ça. S'il vous plaît, priez pour moi, s'il vous plaît, priez pour moi. Moi et mon bébé. Et là, tu viens que Dieu te trouve et te sauve tête. Ah, mes frères et sœurs, où est le danger? Mais venez encore, on arrive dans notre homme. Mon Dieu, regardez ça. Please, pray for us. Pray for us. S'il vous plaît, priez pour nous. Écoutez ça. S'il vous plaît, je vous en supplie, s'il vous plaît, priez pour moi, s'il vous plaît, priez pour moi et mon bébé, je vous en supplie, priez. Hey, mes frères et sœurs, vraiment, c'est grave. Personne ne s'attendait à ça, ça n'a pas été prévu. Quelle que soit la technologie que les humains ont, ce genre de choses ne sont pas prévisibles. Ce sont des trucs qui frappent à un moment donné. Hey, Seigneur Jésus, ce message, ça me touche profondément. Écoutez. Mes frères et sœurs, ça me touche vraiment. Nous devons prier vraiment pour elle, prier pour sa famille, prier pour toutes les personnes touchées par cette catastrophe. Regardez. Mon Dieu. Regardez ça. Oh, juste le dimanche, hier dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne savais même pas. Je vais tomber cette information. Ça m'étonne. Regardez. Oh, les bateaux me sont renversés. Les maisons. Oh.
Mes frères et sœurs, vois-tu tout ça, vanité des vanités, toutes tes vanités. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux ou de se battre entre nous. Nous devons vivre paisiblement et régler nos problèmes tranquillement. Parce que regardez ça. Personne n'espérait voir ça. Ah, c'est grave. C'est vraiment grave. Ce qui s'est passé là, vraiment, ça me touche vraiment. Mon Dieu, regardez ça. Ils ont juste besoin d'une seule chose. La prière. Prions, mes frères et sœurs. Ça fait de nombreux dégâts, et c'est incalculable. Regardez quel véritable désordre. Franchement, ça c'est une catastrophe. Quand je vois ça, je me dis, mes frères et sœurs, ayons la crainte de Dieu. Regardez, l'homme n'a rien pu faire face à ça. Rien. C'est venu et ça a frappé. De telles choses, l'homme n'a pas de pouvoir là-dessus. L'homme n'est qu'obligé de subir et attendre que ça finisse afin de venir faire le ménage. Mais l'ouragan est déjà passé. Ils n'ont jamais vu ça. Moi-même, je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment terrible. Toutes les belles voitures, les voitures de luxe, sont détruites. Comment allons-nous nous attacher à de telles choses? Attention-nous à Dieu, mes frères et sœurs. Et prions pour éviter la catastrophe. Prions. Regardez de vous-même. L'homme n'est que spectateur. Incroyable, mais vrai. C'est une information terrible que nous vous montrons ici. Mes frères et sœurs, c'est grave. The tree is just the water right down, banging against the window. That's the front porch. The water is about 6 feet or over 6 feet deep. L'eau a carrément rempli la maison. Carrément. God be with us. Y'all keep praying out there worldwide. Carrément. Rempli la maison. Mes frères et sœurs. Vous pouvez penser que c'est de la blague, mais c'est pas de la blague malheureusement, c'est bien réel. Ah! La disparition de cette stade a pris beaucoup de choses, mais ça nous apprend encore plus. L'être humain, la vie sur la terre, franchement, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous avons vraiment besoin de Dieu dans notre vie. Et dans ce tel cas, nous devons nous souder et prier pour toutes ces personnes. Ça m'a touché. Cette femme, elle était toute dit, priez pour nous, je vous en supplie, priez pour nous, moi et mon bébé, priez pour nous, je vous en supplie. Et Jésus, quelle personne parle ainsi? C'est que ces personnes voient que c'est grave. Et ce qui arrive, c'est vraiment trop grave. Prions pour toutes ces personnes. Toi, tu es chez toi. Si tout va bien chez toi, ne dis pas, oh, comme j'ai bien dormi, tout va bien chez moi. Donc, il n'y a pas de souci. Prie pour toutes les personnes en difficulté. Toutes les personnes qui sont dans les soucis. C'est même la raison pour laquelle tu es chrétien. Tu dois intervenir dans chaque situation pareille. Il est l'heure que les chrétiens commencent à travailler. Il est l'heure que les croyants commencent à mettre en exécution tout ce que Dieu leur a donné.
pour faire le bien et non le mal. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Vous pouvez partager cette vidéo à la main, les gens, à l'aider les gens, afin que tout le monde commence à prier et même faire ce qu'il faut pour venir en aide à ces personnes, même s'il faut envoyer de la nourriture, quelque chose, tout ce qu'il faut, même des soins, des médicaments, tout ça, ça serait d'une grande utilité. Prenez soin de vous et pourquoi vous pouvez la prochaine vidéo. Waouh, ça m'étonne.